Une fois encore, le Festival de Cannes fait la part belle aux amoureux. La Croisette vit au rythme des cœurs depuis le premier jour de la compétition, puisqu'on se souvient que ce sont Penélope Cruz et Javier Bardem qui ont présenté ensemble le film d'ouverture Everybody Knows, signé Asghar Farhadi. Guillaume lui laisse le champ libre quelques jours plus tard. C'est un autre couple de stars qui a été aperçu par les fans sur La Croisette, tandis que Marion Cotillard signe son grand retour pour cette 71e édition du Festival de Cannes. Son mari, Guillaume Canet, lui laisse le champ libre sur les marches pour assurer sa promo. C'est ainsi qu'on a croisé l'égérie Dior plusieurs fois ces derniers jours, toujours en solo sur le red carpet, pour Gueule d'Ange, mais aussi pour Les Filles du Soleil. Elle a aussi posé avec ses copines Lupita Nyong'o, Penélope Cruz et Jessica Chastain, au photocall de 355, le 10 mai dernier. Ensemble pour Gilles Lelouch, il a fallu attendre ce 13 mai, et la projection du Grand Bain, le film de leur copain Gilles Lelouch, pour voir Marion Cotillard et Guillaume Canet ensemble. Les parents de Marcel et Louise n'auraient raté pour rien au monde la présentation de cette comédie, qui est présentée hors compétition à Cannes cette année. À voir aussi, Guillaume Canet et Marion Cotillard illuminent la Croisette.